ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la direction du casino de Haramousse, a organisé une exposition vente de produits artisanaux du pays sur le parking de ce supermarché très fréquenté avec une clientèle de haut de gamme. L'initiative d'organiser l'exposition vente de produits artisanaux rentre dans le cadre de la promotion de l'artisanat à Djibouti. Elle vise également le développement de la chaîne de valeur artisanale et ce, afin que les associations des artisans du pays puissent réaliser des bénéfices intéressants en profitant de la clientèle de cette grande surface très fréquentée non seulement par des Djiboutiens mais aussi par des ressortissants civils et militaires étrangers installés dans notre pays. Ce sont du moins les raisons pour lesquelles le ministère du Commerce a choisi ce lieu pour organiser cette exposition vente de produits artisanaux. Les vingtaines d'artisans invités à cette occasion ont étalé sous des tentes mises en place pour cette occasion par la direction du casino leur production artisanale. L'on pouvait voir sur les stands des bijoux, des porte-clés perlés, des vanneries, des sandales en peau de chèvre, des décorations, etc. Les exposants n'ont rien laissé au hasard et la diversité de leurs produits reflétait non seulement leur savoir-faire, mais aussi la diversité de l'artisanat djiboutien. Le groupe Kouesh a toujours œuvré dans la promotion et le développement de l'artisanat. À cet effet, plusieurs stands ont pris place déjà à l'intérieur du magasin. Je tiens à féliciter ce valeureux artisan de Djibouti et de région d'avoir participé à cette exposition et invite également aux Djiboutiens et les résidents du Djibouti de venir encourager leurs artisans. Voilà, nous sommes aujourd'hui au casino d'Haramousse. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en partenariat avec la direction du casino, ont organisé la vente des objets artisanaux dans le cadre des festivités de fin d'année. Notre devoir est de trouver des vitrines et des emplacements pour les artisans tout au long de l'année pour qu'ils vendent leurs produits. Nous avons toujours l'habitude de dire que les produits artisanaux ne sont pas bien faits ou mal, surtout les finitions, mais là, cette année, vous allez voir des produits exceptionnels. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de venir voir leur culture et surtout d'acheter. C'est pour les renforcer et les valoriser.